Bonjour, je m'appelle Frédéric Pachy, je suis gynécologue obstétricien en France, à Saint-Maurice en région parisienne. Je pratique la chirurgie obstétricale, le suivi de grossesse et l'échographie de diagnostic anténatal. Je vais vous présenter aujourd'hui un épisode de mesure du périmètre crânien et du diamètre bipariétal fœtal à 32 semaines d'aménorrhée. Bonjour Dr Pachy, merci beaucoup de participer à ce premier épisode de la web série d'échographie à Saint-Maurice. On est très heureux de débuter cette, cette web série. On va commencer par un épisode sur la mesure du périmètre crânien et du diamètre bipariétal chez le fœtus à 32 semaines. Et on aimerait savoir quels sont vos trois points de, de routine, vos éléments de routine dans la vie quotidienne que vous observez à chaque fois pour bien faire cette mesure du périmètre crânien. Alors effectivement, il euh, y a trois repères importants à prendre en compte. Tout d'abord, c'est l'orientation du bébé. C'est-à-dire que vous devez savoir s'il si est en présentation céphalique ou en siège. Donc ça c'est très rapide. Une fois que vous avez repéré euh, l'orientation tête en haut, tête en bas, il faut connaître le côté du dos. Droite, gauche, la plupart du temps. Ça permet d'avoir le repérage des, des points anatomiques. Donc ça c'est très rapide, ça se fait en quelques secondes. Une fois que vous avez repéré le, le bébé, le deuxième point important, c'est de bien horizontaliser la ligne médiane, la faux du cerveau. Elle doit être parfaitement horizontale. Et il doit y avoir une symétrie aussi entre les deux hémisphères cérébraux, l'hémisphère antérieur et l'hémisphère postérieur. Et après, une fois que la ligne de la faute du cerveau est bien horizontale, vous avez vos principaux repères anatomiques, la cavité du septum lucidum, les noyaux thalamiques, la citerne ambiante et les deux cornes postérieures des ventricules latéraux. Une fois que les repères anatomiques sont sur le même plan, vous frisez l'image, vous zoomez et on place les calipers. Avec Fred, on se demandait euh, lorsqu'on fœtus il présente son dos en avant, comment faire pour le mobiliser pour obtenir le meilleur cliché du diamètre bipariétal et périmètre crânien On va essayer de s'aider de ce petit euh, poupon pour pouvoir euh, comprendre comment est-ce qu'on va orienter la sonde. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand un bébé est en présentation euh, céphalique euh, habituelle, la sonde échographie va être placée à peu près à ce niveau-là pour pouvoir mesurer le diamètre bipariétal et le PC. Quand un bébé se présente en présentation euh, céphalique toujours mais avec un dos antérieur quand vous allez poser votre sonde, vous allez avoir directement l'occiput. Et donc là, un gros cône d'ombre postérieur. Impossible de pouvoir avoir d'horizontaliser la ligne médiane. Donc l'astuce, si ça se présente bien, c'est de mettre la sonde d'échographie soit d'un côté, soit de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que si vous mettez votre sonde d'échographie de ce côté-là, et que vous, vous avez un diamètre bipariétal avec une faute du cerveau qui est bien horizontalisée. Si vous la mettez ici, vous ne voyez rien. Et de ce côté-là, vous pouvez aussi la voir. Parfois, on est contraint, pour des raisons anatomiques, on ne peut pas mettre la sonde parfaitement sur le côté pour pouvoir avoir le diamètre bipariétal. Donc là, l'astuce, en échographie, il faut toujours travailler avec ses deux mains, c'est de repérer l'occiput de l'enfant, donc de palper sous la peau de la patiente, et ensuite de mobiliser l'enfant. Si vous le mobilisez, vous arriverez à placer le diamètre bipariétal dans le champ des ultrasons. Il faut en échographie savoir travailler avec les deux mains, donc à la fois placer la sonde avec la main gauche et mobiliser l'enfant avec la main droite pour pouvoir avoir le bon cliché pour la mesure que l'on souhaite réaliser. Donc là, nous sommes face à un bébé qui a la tête en bas et le dos antérieur. Et quand on essaye de savoir s'il est un peu à droite ou à gauche, voilà, on peut s'apercevoir que globalement on arrive à avoir un dos à gauche, donc une tête en bas, dos à gauche. Et euh, donc vous voyez que ce bébé, il est assez. Il bouge. Hein, il passe de droite à gauche en réalité. Donc on a un vrai dos, un vrai dos antérieur en réalité. Voilà. Donc il va falloir trouver un moyen pour avoir horizontalisé la faux du cerveau. Donc on va se... Hop, voilà. Donc il faut profiter. Des mouvements du bébé. Donc là, il a passé le dos à gauche d'un seul coup. Donc euh, j'arrive à horizontaliser la faux du cerveau. Donc c'est le, le principal critère de, de repérage pour pouvoir faire le BIP-PC. Et ensuite, on va essayer d'avoir les repères anatomiques classiques la cavité du septum lucidum, les noyaux thalamiques, la citerne ambiante et la corne postérieure du ventricule latéral. Voilà, une fois qu'on a repéré ces, ces éléments anatomiques, on va agrandir l'image, placer les calipers sur la face externe, la table externe de l'os. Et ajuster ensuite en fonction de l'ellipse sur la partie externe de l'os. Voilà, et on obtient le bip à 84 mm et le PC à 291 mm. On est face à un bébé qui est en présentation céphalique, donc tête en bas, avec un dos. À droite donc on va se positionner sur la tête de manière à avoir la faux du cerveau la plus horizontale possible à des termes un peu avancés comme ça on peut utiliser le mode shadow réduction pour pouvoir avoir un meilleur repérage des structures anatomiques on perd un petit peu en, en résolution mais ça peut aider pour avoir nos, pour nous repérer du coup j'ai ma faux du cerveau qui est bien horizontale et ensuite, je repère les critères anatomiques. Donc la cavité du septum lucidum, les noyaux thalamiques, la citerne ambiante et la corne postérieure du ventricule latéral. On zoome au maximum pour pouvoir placer les calipers pour le BIP sur la table externe de l'os, proximal et distal, à l'endroit où le diamètre est le plus important. Et au niveau pour le PC, pareil, table externe de l'os. Et on va tracer l'ellipse pour pouvoir avoir les contours externes de l'os et mesurer le périmètre céphalique. Et voilà. Donc sur les repères anatomiques, la cavité du septum lucidum, la faux du cerveau horizontal la citerne ambiante la corne postérieure du ventricule latéral. Et donc ici, on a nos deux noyaux thalamiques, là et ici. Parfait.